since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, test des écouteurs S6, des écouteurs qui m'ont coûté que 1,80€. En réalité, elles coûtent 2,35€. Vous les trouverez toujours sur Gearbest en vente flash. Mais j'ai profité d'un petit moment qu'ils arrêtaient la vente flash pour les acheter avec mes points Gearbest. Et c'est pour ça que je les ai eus à 1,80€. Donc avant de vous les conseiller, parce qu'ils ne sont pas sur mon blog, je devais les tester avant de vous les conseiller. Parce que même si c'est que 2 ou 3 euros, ben, il vaut toujours mieux les tester plutôt que vous vendre de la misère. En les achetant, je me suis demandé, est-ce que pour 2 euros, on a des bons écouteurs ou je vais devoir les jeter à la poubelle? Donc après 2 semaines d'utilisation, je peux aujourd'hui vous donner mon avis. Donc bien sûr, après ceci. Dans la boîte, on retrouve un manuel anglais-chinois, un petit clip pour l'accrocher à ses vêtements. J'ai bien sûr dû le mettre moi-même. Un câble de recharge micro USB très petit et bien sûr les écouteurs. Les écouteurs sont en Bluetooth 4.1 et ils ont une autonomie donnée pour 4 heures et se rechargent en 30 minutes. Après vérification, elles tiennent entre 3h30 et 4h, elles se rechargent vraiment en 30 minutes. Il y a une petite LED rouge quand on les branche sur le secteur qui nous indique qu'ils sont en train de recharger et quand ils s'allument en bleu, ça veut dire qu'ils sont bien chargés. Le Bluetooth est vraiment en 4.1 et même si on est loin de son téléphone, j'ai eu aucune perte de connexion. Pour la vidéo, donc pour le streaming, en vidéo il n'y a aucun décalage son et image, que ce soit sur YouTube ou d'autres sites de streaming. Pour le son, la qualité du son est moyenne, on n'a pas de basse, le son manque un peu de volume, mais au moins on risque pas de s'abîmer les oreilles. Pour le micro, jugez par vous-même, la vidéo est enregistrée avec le micro des écouteurs. La connexion au téléphone, donc la connexion est simple et rapide, il faut juste aller dans les paramètres Bluetooth, allumer vos écouteurs, faites une recherche et vous allez voir apparaître S6. Le logo de connexion est un clavier, mais tout fonctionne correctement. Si vous êtes sur un iPhone et Android 8 comme moi, vous allez voir le niveau de la batterie. Sur Android 5, malheureusement, le niveau de la batterie ne s'affiche pas. Et je n'ai pas vérifié sur Android 6 et 7. Made a map with all the stars. So you know you're not too far away from me. You're in my... Donc le bouton du milieu sert à allumer et éteindre les écouteurs et sert à faire play et pause. Donc pour le boîtier de contrôle, si on appuie sur le bouton plus, on fait démarrer la musique, on change de piste de morceau de musique. Et si on fait un appui long, on augmente le volume, mais il n'y a aucun affichage sur le téléphone. Le bouton moins sert également à changer de piste, changer de morceau, revenir en arrière. Et un appui long fait diminuer le volume. Faites attention, il n'y a pas d'avance rapide. Je possède à peu près le même type d'écouteur, un peu plus performant avec un meilleur son de la marque Bluedio que vous voyez ici, mais je les utilise très peu, car les modèles intra-auriculaires, je ne sais pas pour vous, mais moi je déteste ça, ça fatigue mes oreilles et il faut souvent les réenfoncer. Et peu importe la marque, j'ai le même problème. Je préfère les écouteurs à l'ancienne et en plus les S6 sont très très légers, juste le boîtier de contrôle, il peut être un peu gênant, si on les utilise en faisant du sport. Pour le prix, je suis impressionné par son autonomie et sa vitesse de charge. Et en plus, son logiciel permet de voir en pourcentage le niveau de la batterie. Mais attention, le pourcentage n'est pas très précis. Quand vous atteignez les 10%,
Les écouteurs vous disent que la batterie est faible et une fois après 5 minutes, les écouteurs s'éteignent. Le son, bien sûr, pour le prix est correct et son micro n'est pas mauvais. Le petit clip sera utile si vous voulez vous en servir pour le sport ou juste pour les accrocher pour éviter de les perdre, même si on ne serait pas trop dégoûté vu le prix si on les perdait. Pour finir, on peut les connecter sur Android, iPhone et sur PC. S'ils vous intéressent, je valide, vous pouvez les acheter sans problème, même si la livraison était un peu longue, mais ça c'est aléatoire. Vous pouvez aussi bien les recevoir en une semaine que un mois ou 2 mois. Merci aux anciens de votre soutien, aux nouveaux d'avoir pris le temps de regarder et de vous abonner. Retrouvez ces écouteurs et tous les objets en grosse promo sur mon blog en lien dans la description. N'hésitez pas à poser votre question, ma chaîne et mon blog ont été créés pour vous aider. Téléchargez mon application pour accéder rapidement au bon plan et pour me contacter facilement. Vous pouvez également participer au financement d'un futur test pour tenter de le gagner. Je vous dis à dimanche prochain, c'était Dingo Dorwan, abonnez-vous! Like the attention, girl, I know you. Know you. But you're everything I want in life. Yeah. We're fighting danger like kung fu. Kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's